Peggy 18. Bienvenue dans ce nouvel AG French Direct, l'émission consacrée aux jeux francophones. Je suis Salomé Lagrelle et je vais vous accompagner durant toute cette présentation qui va mettre en lumière de nombreux jeux issus de la scène française et d'autres pays francophones. Trailers inédits, nouvelles images de gameplay, premières mondiales et autres informations exclusives. Vous êtes prêts ? On commence directement en se rendant à Lille pour prendre des nouvelles de Young Souls, le prochain jeu de The Arcade Crew. Après Demetrios, A Big Cynical Adventure, sorti en 2016, le développeur Fabrice Breton revient avec un tout nouveau jeu. In a polluted world, where animals replaced mankind, where a dome protects the rich and the poor struggle to survive, lives a detective. My magnifying glass. Out of the ordinary. What are you, 3 years old? I'm just testing the resistance at my bed. Yeah, right. When classic adventure... Hey, leave the old man alone. None of your business. Get the heck out of here. Meets beat-em-up. Enough. You're gonna regret it. Lead your investigation. Something's in there. I didn't call you to check my fridge. Just a look-see. Make decisions and face the consequences. Huh? He's dead. Yep. Combine clues to uncover the truth. See this? A crack in the sewers. Welcome. Oh, hi, bro. Face your destiny. You're gonna make it. I promise. Liar. What kind of detective will you be? Oh,
A fire? Where am I? Intitulé Brock the Investigator, celui-ci est issu d'un Kickstarter lancé en début d'année et réussi avec brio. Brock the Investigator vous plonge dans une société où les animaux ont remplacé les humains et où un dôme sépare les riches des pauvres. Le titre vous met aux commandes de l'inspecteur Brock, un ancien boxeur amené à enquêter sur des événements inquiétants. L'aventure prend la forme d'un punch and click, un mélange entre jeu d'aventure classique et séquences de baston, le tout avec une pointe de RPG. Le joueur devra aussi faire des choix qui influenceront la suite de l'histoire avec plusieurs fins différentes. Un prologue est jouable dès maintenant sur Steam si vous souhaitez l'essayer gratuitement en attendant sa sortie en fin d'année. Allez-vous résoudre les énigmes avec votre intelligence ou par la force ? Brock the Investigator arrive également en 2022 sur PS4, Xbox One, Switch, PS5 et Xbox Series X et S. Hello tout le monde, je m'appelle Mélanie. Avec Robin et Guillaume, j'ai cofondé le studio bordelais The Moon Pirate. Ensemble, nous travaillons sur notre premier jeu, Don't Forget Me. Don't Forget Me, c'est un jeu d'aventure jazz-punk où l'on incarne Fran, une jeune femme amnésique. Avec Bernard, un copiste mémoriel, Fran devra fouiller les souvenirs de leurs clients, notamment à l'aide de mots-clés, afin de déjouer une conspiration destinée à soumettre l'humanité. Mais aujourd'hui, on voudrait surtout vous présenter quelque chose qui nous tient à cœur, l'extension Twitch. Comme vous l'avez sans doute compris, Don't Forget Me est une aventure où la narration est très importante. Et c'est donc un type de jeu où il est plus compliqué de faire de l'animation Twitch, tout en profitant à fond de l'immersion. C'est ainsi que nous avons eu l'idée de proposer une intégration Twitch aux créateurs et créatrices, dont l'interface est incluse directement dans le jeu. Les viewers peuvent donc s'impliquer et créer un lien avec le ou la streameuse, tout en gardant le côté immersif. Cette fonctionnalité se décline en deux temps. Tout d'abord via le chat. Les personnes regardant le stream pourront voter lors des choix de dialogue. Charge au créateur ou à la créatrice de suivre l'avis de sa communauté ou non. Ensuite, Don't Forget Me propose des phases d'enquête via des mots-clés. Il faudra débloquer les bulles de souvenirs afin de pouvoir progresser dans l'histoire. Pour les trouver, il est nécessaire d'observer son interlocuteur, mais également de faire attention au dialogue. Et c'est ici que les spectateurs et spectatrices pourront de nouveau interagir avec le stream en proposant leur aide. Via le chat, ils auront la possibilité de proposer des mots à leur tour. Les plus votés apparaîtront directement en jeu, sur une interface dédiée. Encore une fois, nous avons voulu laisser le choix aux créateurs qui décideront ou non d'utiliser l'aide qu'on leur apporte. D'ailleurs, ils devront activer cette fonctionnalité manuellement en tapant Twitch directement dans le jeu. Il sera également possible de définir certaines règles, comme le nombre de votes nécessaires pour qu'un mot apparaisse dans l'interface. Et voilà, vous savez tout. Nous espérons que cette extension Twitch vous plaira, qu'elle vous permettra de passer de bons moments avec vos créateurs et créatrices de contenu favoris. Vous pouvez dès à présent tester la démo de Don't Forget Me, qui propose déjà cette fonctionnalité, et n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour nous faire vos retours. Contrôler une goutte d'eau et redonner vie à la planète dans Flore, le premier jeu du studio Sachet de Graines, prévu sur Steam et Nintendo Switch. Bonjour à tous et merci d'être là pour cet AG French Direct. Je m'appelle Simon et je suis game designer sur Symfonia.
Donc, comme vous l'avez compris, Symphonia est un jeu de plateforme en 2D axé autour de la musique orchestrale et de ses instruments. Vous incarnez Philémon, un violoniste de talent, dans une quête pour redonner vie à la cité orchestrale de Symphonia. Philémon peut utiliser son violon et son archer pour trois actions principales. Se planter dans des coussins de velours afin de se propulser dans une direction, frapper des surfaces dures afin de rebondir sur le sol, et enfin jouer de son instrument afin d'enclencher des mécanismes, qui sont toujours utiles et quelquefois franchement impressionnants. Symphonia, c'est un jeu étudiant d'une trentaine de minutes qu'on a développé à 13 étudiants pendant un an à l'école Isart Digital, en fin d'études, et on a vraiment tenté de laisser libre cours à notre créativité tout en étant super précis et méticuleux dans notre travail. On a sorti Symphonia en juin 2020 sur itch.io et il a déjà été téléchargé plus de 10 000 fois, donc vraiment merci à toutes celles et ceux qui ont déjà participé au succès de notre petit jeu étudiant. On est hyper fiers et heureux que notre travail ait porté ses fruits. Aujourd'hui, on participe à ce direct pour deux raisons. La première, c'est de vous inviter à jouer à Symphonia. Si ce que vous venez de voir et d'entendre vous a plu, si vous aimez les jeux de plateforme, les univers musicaux et colorés, n'hésitez pas à vous rendre sur Itch et à télécharger Symphonia pour PC. C'est gratuit, vous avez juste besoin d'une manette et on espère que ça vous plaira. La deuxième raison, c'est pour vous annoncer qu'au vu de la réception du jeu et des envies de l'équipe, on a pris la décision de fonder un studio de développement de jeux vidéo ensemble. Le studio s'appelle Sony Peak. Il est basé en région parisienne et on se lance dans l'aventure avec pour premier objectif de développer un tout nouveau jeu Symphonia. On a l'ambition de proposer le même genre d'expérience que ce que vous pouvez voir ici, mais en plus ambitieux, avec plus de décors, plus de musique, plus de narration, et toujours avec un univers graphique et sonore particulièrement léché, qui tourne autour de la musique orchestrale. Si vous êtes une joueuse ou un joueur, on vous invite d'ores et déjà à suivre nos réseaux sociaux, notamment Twitter, qui est notre réseau privilégié, pour rester informé. Vous pouvez trouver tous nos liens sur notre site internet, symphonia-game.com. Et si vous êtes un professionnel de l'industrie et que travailler avec nous vous intéresse, sachez que nous sommes désormais en recherche de partenaires ainsi que de financement pour donner vie à Symphonia. Donc pareillement, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un message privé. Pareil, tous les liens sont à retrouver sur notre site symphonia-game.com. Voilà, il me reste à vous remercier au nom de toute l'équipe de Sony Peak et à vous souhaiter un bon AG French Direct à tous. À bientôt! Solasta Crown of Magister présente le Dungeon Maker, sa nouvelle feature. Ils permettent aux joueurs de créer leur propre donjon directement en jeu. Vous pouvez arranger votre donjon à votre guise, y ajouter des monstres, des pièges et autres trésors. Créer un donjon dans le Dungeon Maker est à la fois simple et rapide. Après avoir rempli les informations générales, vous pourrez choisir l'environnement du donjon. L'architecture et les objets disponibles vont dépendre de l'environnement choisi. Vous pourrez également choisir une ambiance qui changera la colorimétrie et la luminosité du donjon. Après cela, il vous suffira de placer les salles pour construire votre donjon. Vous pourrez même lier plusieurs donjons différents ensemble grâce à un système d'entrée et de sortie. Un donjon vide n'est pas très intéressant à visiter, il va falloir ajouter des gadgets et du décor. Monstres, pièges, trésors, portes cachées, textes informatifs, zones de repos, l'ajout de décors participera à l'ambiance et pourra servir de couverture lors des combats. Une fois votre donjon finalisé, vous pourrez le partager pour que d'autres joueurs puissent y jouer. Cette nouvelle fonctionnalité arrivera ce 25 mars. We'll be right back.
Bonjour à tous, je suis Sylvain de Pixel Wrappers et je vais vous parler de notre premier jeu en cours de développement, Classic Sport Driving. On est une équipe de 5 personnes au poste de dessin, musique, 3D, sound design et code et gameplay, c'est moi. Et donc, je vais vous parler un peu du gameplay de Classic Sport Driving. Graphiquement, le jeu est un hommage au grand nom des années 80-90. Et effectivement, on a une campagne solo à la Lotus Turbo Challenge. Par exemple, si vous êtes derrière le score minimal, une étoile, alors vous risquez le timeout au prochain checkpoint. Mais le cœur de Classic Sport Driving, ce sont surtout les virages et les trajectoires, et la chasse au chrono. Ça se retrouve dans les difficultés plus élevées, où pour réaliser un bon chrono, il faut anticiper et lire la route. Classic Sport Driving, c'est en quelque sorte un Trackmania dans un univers rétro. Le générateur de circuit a été particulièrement travaillé pour obtenir des virages complexes intéressants à conduire. À chaque code, une nouvelle orgie de virages à découvrir. Un code challenge partagé avec vos amis et ils vous rejoignent pour une chasse au chrono sur ce nouveau circuit. Lors d'un challenge, on dessinera les trajectoires des autres joueurs, mais seulement au rythme de l'avancée du joueur en question. Dit autrement, si vous êtes en retard, vous pourrez vous inspirer des trajectoires des meilleurs pour progresser. Par contre, si vous êtes proche du record, il vous faudra dessiner vos propres trajectoires sans aucune aide. On bénéficie du soutien de la région Nouvelle-Aquitaine pour ce projet, et on espère sortir le jeu sur PC vers la fin de l'été. Faites un saut sur classicsportdriving.net, et si vous pouvez nous suivre sur les réseaux et faire un peu de bruit autour du jeu, surtout n'hésitez pas, ça nous ferait grand plaisir. Bonjour, nous sommes Maratus, un studio indépendant belge et nous travaillons sur Arisen, un jeu dans la lignée des livres dont vous êtes le héros. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dévoiler en exclusivité un nouvel extrait de notre jeu. Après avoir été arraché à votre village natal par des insulaires, les Makial, vous vous éveillez sur un navire de guerre aux côtés d'innombrables prisonniers, elfes comme humains. Vos ravisseurs envisagent de vous faire combattre dans l'arène puis de vous vendre comme esclave. Vous faites la rencontre de Tarak et Koda, d'autres continentaux, mais aussi de vos potentiels futurs propriétaires, Igwenel et Baeli. L'un d'eux vous emportera chez lui ou elle. C'est ici que nous vous laissons à la fin du prologue. Au fil du premier acte d'Arisen, vous serez amené à faire différentes missions pour votre propriétaire, avec qui vous vous entendez un peu, beaucoup ou pas du tout. Vous voici chez Igwenel, à qui vous devez livrer le présent de Baeli. Lors de votre arrivée, Koda et Chouchette, deux esclaves de la Haute Elfe, sont sur le point d'en venir aux mains. Vous avez le choix d'aider Koda, de rester à distance ou d'essayer d'empêcher l'affrontement. Dans Arisen, vous vous exprimez avec cinq émotions. Joie, colère, peur, tristesse, dégoût. Selon votre manière de jouer, vous aurez accès à plus ou moins de cartes de chaque famille. Cela rend chaque partie unique. Ici, vous faites la rencontre de Raïs, une chasseuse et travailleuse du cuir. Elle est occupée avec des clients. Comment vous présentez-vous ? Ce choix ne sera pas sans conséquences. Nous avons hâte de vous faire découvrir notre univers. N'hésitez pas à mettre le jeu dans votre liste de souhaits sur Steam. Arisen sera disponible au courant de l'année 2021. L'idée de ce projet m'est venue il y a à peu près 4 ans. Puis j'ai rencontré Fabrice Vaca qui m'a proposé de travailler en tant que pixel artiste sur Shoot 'em Up Dread Stars The Quest for Revenge. C'était pas complètement le type de jeu auquel je joue. Donc l'idée m'est venue progressivement finalement de faire un projet sur le type de jeu qui me plaisait en pixel art, c'est-à-dire faire du point and click.
Ma première inspiration, c'est l'emblématique Blade Runner, donc un des piliers du cyberpunk, la peinture de William Gibson, je pense en particulier à Johnny Mnemonic. Et puis aussi tout l'univers du manga futuriste, dont Ghost in the Shell. Et l'art nouveau, l'art déco, qui m'inspire beaucoup pour le jeu. Ce que je peux lire sur la robotique, sur la biologie, sur l'être humain, la psychologie. Développer seul, ça a de nombreux avantages, parce que ça permet d'être relativement flexible. Pouvoir adapter le jeu quand il y a besoin, s'il n'y a pas assez de temps, peut-être d'enlever quelques petites choses. À certains moments, de rajouter quelques petites choses qu'on a oubliées. Permet de bien avoir une vue globale du projet. Par contre, ça a quelques inconvénients, c'est-à-dire que quand il y a des décisions à prendre, quand il y a une grosse charge de travail, ben on est tout seul pour le faire. Et par moments, ça peut être assez difficile. À la pleine image, j'ai été très entourée. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que ça a beaucoup boosté le projet. C'est un endroit où se réunissent beaucoup de monde du jeu vidéo. On peut y rencontrer toutes sortes de profils avec lesquels échanger, avec lesquels éventuellement travailler. Je me suis sentie très soutenue et c'est vrai que le faire toute seule, sans l'aide de tous ces gens-là, tous les gens que j'ai rencontrés, aurait été très compliqué. C'est un projet de jeu qui se déroulera dans le même univers que The Sunview. Ce sera donc un point and click en pixel art rétro qui se déroulera dans un univers dystopique où les choses se passent encore mal. Malheureusement. Poursuivez l'enquête avec Anna dans The Sunview qui sortira cet été sur PC et Nintendo Switch. Fondez votre propre école de magie et jouez aux apprentis sorciers dans Spellcaster University, qui sortira prochainement dans sa version 1.0. Bonjour, directrice et directeur d'école de magie. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur la principale nouveauté qu'on vous prépare pour la sortie de l'accès anticipé de Spellcaster University. En plus d'améliorations d'ordre général, interface, nouveaux événements, nouvelles cartes, nous préparons une nouvelle façon d'utiliser vos étudiants fraîchement formés. Une fois qu'ils ont été bien préparés et qu'ils ont appris diverses magies, il est temps de les envoyer faire quelque chose de leurs compétences. Il est temps pour eux d'aller explorer des donjons. Le donjon, c'est une sorte de mini-jeu, de mini-dungeon crawler. Il va vous permettre de mettre à profit les compétences de vos étudiants pour obtenir différentes récompenses pour améliorer votre école. Récupérer de nouvelles cartes, des ressources supplémentaires, de la réputation auprès des factions. C'est basé sur un mécanisme de stop ou encore, à vous de voir si vous êtes prêt à risquer la vie de vos étudiants pour ces récompenses. Les images qu'on vous montre ici sont celles du prototype encore en développement. Sortie de la 1.0 en fin mai ou début juin. A bientôt sur Spellcaster University.
Maîtrisez la création de blocs et détruisez le feu de l'adversaire tout en protégeant le vôtre dans Hit and Run, un MOBA prévu pour le début de l'année 2022 sur PC. Le shooter roguelite Bebots est actuellement en cours de développement par l'équipe Square Squid. Il fait peau neuve et nous présente aujourd'hui de nouvelles images. Dans Bebots, vous incarnez Taillard, un membre du peuple Krob, des explorateurs et ingénieurs de renom. Partez en quête pour défaire les vils plans de Magamir, un ancien explorateur corrompu par sa soif de pouvoir et qui cherche à créer une arme de destruction massive. Dans Bebots, les combats sont au cœur du jeu. Vous incarnez un personnage vif qui devra esquiver les attaques ennemies tout en utilisant son arsenal grandissant pour les détruire. Les temples que vous allez explorer sont générés aléatoirement à chaque partie et seront infestés des hommes de Magamir, de pièges, de créatures féroces et de boss puissants offrant un challenge grandissant tout au long de votre aventure. Pour relever un tel défi, Taillard n'est pas seul et il sera épaulé par le Bebot de votre choix, un être mécanique conçu par les Krobs pour les assister dans leurs périlleuses explorations. En combattant, Taillard va accumuler de l'énergie alimentant son Bebot et lorsque celui-ci est chargé, vous pourrez switcher avec lui pour contrôler une véritable arme de guerre. Gérez vos ressources et utilisez votre Bebot à bon escient pour relever les défis auxquels vous ferez face. Durant votre périple, Taillard gagne de l'expérience, découvre des trésors tels que des armes, des puces d'amélioration, des habiletés passives vous permettant de créer votre propre stratégie en rendant chaque partie unique. Bebots met l'accent sur la liberté donnée aux joueurs. Les puces d'amélioration peuvent être équipées sur chaque arme afin d'en modifier ses effets ou d'en ajouter de nouveaux. Explorez les différentes combinaisons possibles pour créer l'arme de vos rêves. Bebots est encore en développement avec une sortie prévue en 2022. Le studio Monochrome, basé à Paris, nous présente son nouveau jeu, Tandem, A Tale of Shadows. Il s'agit d'un puzzle platformer avec de l'action et des énigmes à résoudre qui se déroule à la fin du 19e siècle près de Londres, dans le manoir d'une célèbre famille de magiciens, les Kane. Leur fils, Thomas Kane, vient de disparaître. Dans Tandem, A Tale of Shadows, vous incarnez Emma, une jeune fille intrépide qui est une grande admiratrice de cette famille de magiciens. Elle devient très vite obsédée par la disparition de Thomas Kane. Elle veut découvrir la vérité et se rend au manoir des Kane où elle rencontre Fenton, un ours en peluche qui va la conduire à l'intérieur du manoir. Vos objectifs dans le jeu sont assez simples. Aider Emma à résoudre des énigmes dans chacune des pièces du manoir et trouver la vérité sur la disparition de Thomas. Heureusement, Emma n'est pas seule. Avec Fenton, l'ours en peluche, ils forment un duo inséparable. Ensemble, Emma et Fenton vont résoudre de nombreuses énigmes. Emma doit créer des ombres avec les éléments qu'elle trouve dans chaque pièce. Les ombres ainsi créées par Emma aident Fenton à se frayer un chemin dans chaque pièce où il aide la jeune fille à progresser à son tour. Tandem propose aux joueurs un double gameplay plein de styles et de variations. Le studio a accordé un soin tout particulier à la direction artistique et au sentiment d'immersion que les développeurs cherchent à offrir aux joueurs. Vous pouvez dès maintenant ajouter Tandem, A Tale of Shadows à votre liste de souhaits sur Steam. Le jeu est développé par Monochrome et édité par Atin Interactive.
Tandem A Tale of Shadows est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour la fin de l'année. Bonjour, je m'appelle Olivier Lemire, président fondateur de RetroModding, une compagnie québécoise spécialisée dans la restauration de consoles de jeux vidéo rétro. On a lancé dans les dernières semaines une nouvelle filiale qui s'appelle Incubate Games, une maison d'édition axée principalement sur les jeux de Game Boy. On commence avec un projet très audacieux, Infinity, un jeu de Game Boy couleur qui n'a jamais été publié depuis 2001. C'est un rare RPG non japonais qui comprenait un système de combat tactique unique pour l'époque. On s'apprête à lancer un Kickstarter dans les prochains mois. On va avoir besoin de votre aide. Pour ça, je vous invite à aller sur le site web d'Infinity et de vous inscrire à notre infolettre pour recevoir des mises à jour. Et sur ce, je vous laisse sur un merveilleux teaser. Bonjour, je m'appelle Balthazar, je suis cofondateur et directeur créatif du studio Inner Space, et je vais vous présenter notre nouveau jeu, Mask Maker. Mask Maker est un jeu d'aventure en VR où vous allez découvrir un monde magique, le domaine des masques, rendu accessible au travers de masques qui détiennent le pouvoir de vous transporter dans ce monde. Et ces masques, c'est vous qui détenez le pouvoir de les fabriquer et de les porter tout au long de votre aventure. Layla, that was fast. Inspiré par le genre Metroidvania, le gameplay fonctionne par aller-retour entre l'atelier pour la fabrication des masques et l'exploration des différents environnements, que nous appelons biomes. Il y en a 6 au total, qui se débloquent au fur et à mesure du jeu. La mécanique principale repose sur la fabrication de masques à l'aide de schémas et d'ingrédients trouvés au cours de l'exploration du domaine des masques. Ces composants, liés à la culture de chaque biome, servent à fabriquer de nouveaux masques qui vont vous permettre d'incarner tour à tour différents personnages, qu'on appelle les gardiens, qui sont les derniers êtres présents dans ce monde magique. Et ainsi, en les incarnant, vous allez débloquer différentes zones et niveaux du monde des masques, jusqu'à enfin rejoindre le château, là où siège Prospero. Mais les composants ne sont pas forcément évidents à trouver, et c'est seulement en résolvant des énigmes de plus en plus retorses que vous pourrez les obtenir. Au fur et à mesure que vous progressez, vous développez aussi vos compétences de crafting pour confectionner des masques de plus en plus élaborés, en les sculptant, les peignant, en mélangeant de plus en plus d'ingrédients. En exploitant au maximum l'aspect gestuel que permet la VR, nous voulons donner ainsi aux joueurs le sentiment d'être de véritables artisans. Nous avons conçu Mask Maker pour donner aux joueurs un fort sentiment de présence et la sensation de faire partie de ce monde. Le jeu se basant beaucoup sur l'exploration, chaque biome se doit d'avoir une identité visuelle forte et très distincte. Pour tenter de surprendre les joueurs à chaque nouvel endroit où ils apparaissent, nous avons beaucoup joué sur l'émerveillement que permet la VR et que peut procurer la vision d'un paysage, qu'il soit immense ou mystérieux, comme à l'intérieur d'une grotte, ce qui permet d'offrir une grande variété et un effet de découverte permanente dans l'aventure. Le jeu s'adresse à tout public, même à ceux qui découvrent la VR. Et même si l'atmosphère du jeu est assez contemplative, le challenge du jeu va croissant, et les puzzles des derniers niveaux requérant un peu plus de stratégie et de dextérité, cela risque de donner aussi du fil à retordre aux joueurs un peu plus aguerris. Avec Mask Maker, nous avons fait de notre mieux pour trouver un équilibre entre le challenge amené dans le gameplay, le plaisir visuel d'être transporté par des environnements très différents, et l'émotion d'une histoire autour de l'apprentissage et de la quête de soi. Nous espérons que vous serez touché par cette quête initiatique, que vous allez pleinement ressentir l'atmosphère magique de ce monde, et que vous allez prendre plaisir à la découverte du domaine des masques. La sortie du jeu est programmée le 20 avril sur les plateformes PC et PSVR, et nous envisageons de porter le jeu sur Oculus Quest dès que possible. Merci et à bientôt dans le masque. Débutez l'enquête avec le plus malin des chats dans Inspector Waffles.
Le jeu est accessible dès maintenant sur Steam et GOG, et surprise, il sortira également sur Nintendo Switch. Arkane Studio reviendra prochainement avec Deathloop, où on y incarne un assassin nommé Colt, piégé au sein d'une boucle temporelle sur l'île de Black Reef. Pour vous échapper, il faudra assassiner 8 cibles, les visionnaires, avant la fin de la journée, en apprenant leur comportement au fur et à mesure de vos morts successives. Vous devrez alors déterminer le chemin le plus adéquat et la meilleure stratégie pour en venir à bout, et vous pourrez compter sur tout un arsenal, ainsi que des pouvoirs surnaturels pour vous aider. Tout se complique avec Juliana, l'autre assassin de l'île qui ne vous fera pas le cadeau. Elle peut également être contrôlée par un autre joueur afin de la rendre encore moins prévisible. Chaque cycle vous rendra plus fort et la patience est la clé pour maîtriser le temps et en faire votre allié. Deathloop sera disponible le 21 mai sur PC et PlayStation 5. Sébastien Mitton et Dinga Bakaba ont d'ailleurs un petit message pour vous. Salut les gens! Actu Gaming nous demande de vous parler d'une anecdote sur Deathloop. A priori, ils ont bien aimé, enfin, vous avez bien aimé l'anecdote qu'on a donnée il y a 7 mois avec Dinga. C'était à propos de la vague d'énergie qu'on a pris sur scène lors de la révélation de Deathloop en 2000 quelque chose, 19, il me semble. Donc voilà, je vais rebondir là-dessus. Thank you very much. How are you? Ça va me permettre de débunker quelque chose qui traîne sur Internet. Donc, à chaque présentation Bethesda à l'E3, B3, il y a un gars qui hurle « Yeah !» et qui stoppe tout le monde, tous les discours. Thanks again. Donc, en fait, c'était pour dire deux choses. Ce gars n'est pas payé par ZeniMax, par Bethesda, pour faire ça. Et il ne fait pas partie du staff non plus ZeniMax. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quand nous on est arrivé avec Dinga, moi j'avais oublié qu'il y avait ce gars qui faisait ça chaque année. Et là, on est arrivé sur scène, il a fait yeah! Il a hurlé et tout, ça nous a. À lui tout seul, il te met un vent dans la tronche. Donc, ça c'était assez rigolo et je lui ai fait you, we love you too. Et ça l'a stoppé. We love you too. Et ensuite, il l'a pas refait tout du long de notre présentation. Par contre, Matt Fierer, il est arrivé derrière pour Elder Scrolls Online et toutes les 10 secondes, il hurlait, donc c'était assez rigolo. Donc c'est assez gênant parce qu'on est stressé sur scène, mais en même temps, il y a cette énergie, donc voilà. Mais c'était pour débunker ce truc qui traîne sur Internet, comme quoi, en fait, il est employé par nous et c'est pas du tout le cas. Yeah and... yeah yeah a group... a group of... Which you'll see in August. Deathloop, c'est un projet pour nous, un jeu assez atypique, assez créatif. On a essayé beaucoup de choses. Et voilà quoi. Et on est assez fiers du résultat. Et voilà, on attend juste de voir ce que vous allez en faire. En fait, on attend de voir ce que vous allez en faire. Et on est pressé de voir vos premiers pas sur Black Reef. We'll be right back.
Moi, c'est Louis Godard, je suis musicien, compositeur, et donc mon travail sur Pharaon, ça a été de retranscrire et réarranger la musique du jeu original. Moi, c'est Théophile Noiret, je suis le cofondateur de Triskel Interactive, et c'est nous qui sommes en charge du remake de Pharaon. La musique de Pharaon, c'est un truc super important. C'est un jeu auquel on joue beaucoup, on passe des heures, on se perd dans le jeu, et du coup, on l'entend beaucoup. C'est une musique qui est super importante pour la communauté, et c'est vrai que c'est une OST qui est restée. On avait à cœur de faire le mieux possible pour le remake, en tout cas d'être à la hauteur de ce que la musique nous a procuré à l'origine. On a essayé de chercher quelque chose qui soit aussi assez authentique à la fois dans les instruments, même si on me semble quand même que l'ethnomusicologie nous dit qu'on n'a pas des idées extrêmement précises de quels instruments on utilisait il y a 5000 ans dans l'Égypte antique. Mais en tout cas, j'ai un sentiment qu'on a utilisé un panachage d'instruments un peu plus pertinent géographiquement et historiquement que dans la musique d'origine de Pharaon, qui est de toute façon faite à 95% avec des synthétiseurs. En France, en tout cas notamment pour nous, il y a une vraie passion pour l'Égypte, l'Égypte antique, et c'est quand même quelque chose qui fascine. Et donc si on peut, en plus de ça, être le plus respectueux possible des cultures directement issues de ça, c'est quand même beaucoup mieux. Revivez la grande époque des pharaons avec le retour de Pharao, A New Era, un remake prévu pour cette année sur PC. Bonjour Actu Gaming, salut à tous, je suis Maxime, le développeur solo de Wild Oz, un jeu d'aventure où vous incarnez un cyber-junkie qui navigue entre les mondes virtuels et réels. Et voici le trailer de mon Kickstarter, en cours de financement pour encore quelques jours. Merci! Salut à tous. On aimerait vous montrer le jeu sur lequel notre petite équipe indé travaille depuis un certain temps maintenant. Alors Terraformers est un jeu 3X, c'est un peu comme 4X mais sans le dernier X de l'extermination, donc pas d'ennemis, où le but est de coloniser et éventuellement terraformer Mars. Donc terraformer, c'est rendre la planète plus habitable. Le joueur, au cours du jeu, doit explorer la planète pour découvrir des ressources, établir des villes, attirer de la population, s'assurer de son soutien, et pour cela, probablement rendre la planète plus vivable et plus habitable en la réchauffant et en y rajoutant la vie petit à petit. Le joueur commence avec un petit groupe d'explorateurs sur Mars, avec le but d'établir une première base, de la développer et d'explorer la planète pour y découvrir des ressources. Le jeu se déroule sur 3 générations. Au début de la première génération, le joueur doit choisir son leader, et à chaque nouvelle génération, il va choisir un nouveau leader qui a des compétences et une volonté qui lui est propre et qui se développeront au fur et à mesure du jeu selon les actions du joueur. Le jeu est en tour par tour et chaque tour, le joueur prend une action telle que construire un bâtiment dans une de ses villes, fonder une nouvelle ville, exploiter une ressource, explorer une nouvelle région ou bien commencer la terraformation en faisant par exemple une action pour réchauffer la planète ou implanter une nouvelle forme de vie dans une région. Alors au niveau du design du jeu, on essaie d'avoir un design qui n'est pas trop aérien ni spatial, mais plutôt quelque chose de terre-à-terre, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre de la texture et on essaie vraiment de mettre un peu un côté matériel à tout ce qui est de l'interface utilisateur. Nos joueurs, on sait qu'ils auront une sensibilité sur la conquête martienne, et à travers ces peintures, on va raconter cette histoire du futur. On va essayer de séduire justement les joueurs dans cette vision prospère où les voyages sur Mars sont possibles. Et vraiment, on espère qu'il y aura un effet Jules Verne presque. Si on pourra regarder nos images d'ici 50 ans, qu'elles seront fidèles
et proche de ce que ce sera cette société qui aura la chance d'aller sur Mars. Pour modéliser la planète, on utilise des images de la NASA et de l'ESA qui nous permettent d'avoir un Mars qui est tel qu'il est réellement en très haute définition, avec l'emplacement de ses différentes régions, ses cratères, ses anciennes rivières, telles qu'elles étaient. On essaye autant que possible de baser les actions que le joueur va prendre et les bâtiments qu'il va construire sur des concepts qui existent déjà ou qui sont proches d'exister. On participera en juin au Steam Festival où vous pourrez tester la démo si vous le souhaitez. D'ici là, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Discord pour nous faire part de vos idées et de vos retours et puis suivre le développement du jeu. Pour nous, c'est toujours vraiment très enrichissant d'avoir cette relation avec les joueurs et ça permet d'améliorer et de donner un jeu qui est plus intéressant au final, je pense. Survivez et faites prospérer votre colonie spatiale en développant de magnifiques cités sur d'autres planètes dans Terraformers. Les créateurs de Dark Devotion reviennent avec Astral Ascent qui vous présente aujourd'hui du gameplay exclusif. Astral Ascent est un roguelite 2D qui vous plonge dans le jardin, une prison astrale que vous devez fuir. Pour cela, il vous faut vaincre 12 boss redoutables, appelés les Zodiacs, en parcourant plusieurs royaumes fantastiques. Vous comptez sur 4 héros pour combattre, chacun possédant une histoire et des sorts uniques. L'aventure pourra aussi se faire avec un ami en coopération. La campagne Kickstarter va démarrer ce 29 mars. Il proposera une démo gratuite, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à supporter le projet s'il vous intéresse. Astral Ascent sortira sur PC, console PlayStation et Nintendo Switch. Une fois de plus, le soleil brille sur Water City. Notre bonne vieille ville de Waters.
Prenez son université, réputée dans tout le pays, s'il vous plaît. Berceau des futures élites de la nation. Son équipe de basketball, symbole de réussite et de diversité, aux portes de décrocher son premier titre. Personnellement, j'ai déjà mes places pour la finale. Waters, c'est aussi l'excellence de ces grandes entreprises. Prenez l'Empire Biscotte, par exemple. Qui n'a jamais goûté à leurs merveilleux biscuits ? D'ailleurs, ça me fait penser, ne pas oublier d'aller voter. Pas facile de choisir le futur maire parmi tous ces candidats de qualité. Du sarcasme ? Mais pas du tout. Vous êtes du genre à avoir le mal partout, je me trompe ? Water City accueille tout un tas de personnages hauts en couleur. Que vous soyez une jeune étudiante un peu timide, un talentueux sportif, une manager brillante ou même le futur maire, il y aura toujours une place pour vous ici. Alors rejoignez-nous, car demain le soleil brillera à nouveau sur Water City. Et qui sait, vous pourrez peut-être vous aussi y vivre. La plus belle des journées. Retrouvez la série des Instants Sport tout au long de l'année pour des sessions sportives amusantes en famille. Plus de détails sur les titres arriveront dans les prochaines semaines.
N'ayez pas peur de la mort dans Kingdoms of Rhea, un action RPG qui s'apprête à sortir en bêta fin avril sur Steam. The Last Spell est développé par le studio lillois CCCP et s'apprête à sortir très bientôt sur Steam. Dans ce tactical RPG mêlé à des éléments de roguelite, votre groupe de héros devra défendre le dernier bastion de l'humanité. Chaque nuit, vous ferez face à des hordes de centaines de monstres et vous devrez tous les tuer avant qu'ils n'atteignent le centre de la ville car cela entraîne la fin de la partie. La tâche sera rude, mais vos héros endurcis ont à leur disposition de nombreuses attaques dévastatrices pour être victorieux. Dans The Last Spell, chaque compétence que vous utiliserez dépend des armes que vos personnages portent sur eux. Pour gagner, il faudra gérer ses ressources, l'optimisation des dégâts et la synergie entre les personnages. Mais le game over est fréquent et votre stratégie sera amenée à être repensée et améliorée. Pendant la journée, vous pourrez construire de nouveaux bâtiments indispensables à votre victoire, comme un temple, un puits de mana, une auberge et bien d'autres. C'est également l'occasion pour vos héros de reprendre quelques forces et de construire des défenses à votre ville afin de tenir la nuit suivante. The Last Spell sera disponible prochainement sur Steam. En attendant, n'oubliez pas d'ajouter le jeu dans votre wishlist. Bonjour à tous. Nous sommes la société toulonnaise Olidri qui exploite la licence Noob depuis bientôt 13 ans et nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau projet de RPG dans l'univers de Noob intitulé Les 100 Factions. Financé par notre communauté à l'aide d'un crowdfunding record d'Europe sur Ulule en 2017 avec plus de 1 million d'euros récoltés et 17 733 contributeurs, ce jeu est une histoire originale écrite par Fabien Fournier et Anne-Laure Jarnet, les auteurs de la licence Noob, et développé par le studio nîmois Black Pixel, avec Philippe Cardona et Florence Torta au graphisme 2D, Fan of Pack pour les cinématiques et Benjamin Oziel à la musique. Il s'agit d'un RPG classique au tour par tour qui reprend les codes des jeux vidéo de ce type qui ont bercé notre enfance de trentenaire, avec pour originalité de vouloir simuler un MMORPG dans un RPG, avec des phases in-game et IRL. Noob les 100 factions relate l'aventure de 4 joueurs débutants formant la guilde Rush, composée du néo-gicien Baster, rêvant de devenir joueur professionnel, de Drake, son meilleur ami et berserker gaffeur, de l'ambitieuse et parfois arrogante May, jouant la classe cartomancienne, et enfin de Logs, élémentaliste naïf et rêveur, passionné de cuisine. À eux 4, ils espèrent arriver rapidement niveau 100 et débloquer leur classe légendaire pour intégrer l'élite des joueurs d'Horizon, leur MMO préféré. Pour se hisser parmi les joueurs HL et marcher sur les pas de la célèbre guilde Noob, ils devront accomplir des quêtes à la fois dans le jeu et dans la vraie vie, affronter les ennemis du Lord d'Horizon, collectionner les familiers, chevaucher des montures épiques, compléter leur arbre de talent et enfin monter les étages de la terrible tour Galamadria Bouillac. Allez, il est temps de faire un tour sur les nombreuses créations francophones qui sont déjà sorties ou qui sortiront elles aussi dans les prochains mois. Et on a encore quelques jeux et surprises à vous montrer avant de se quitter, alors restez bien jusqu'à la fin.
Bonjour à tous, je suis Florian Goelec du studio En-Road. On est ravis de vous annoncer la sortie de Fallback sur Switch en fin d'année. C'est pour nous un plaisir de pouvoir amener ce jeu sur une nouvelle console et donc d'avoir d'autant plus de joueurs qui vont pouvoir y jouer. Et il devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Également Actu Gaming pour le soutien et le fait de nous mettre en avant sur cette sortie. Et donc un gros merci à vous. Salut à tous, je suis JP du studio Northfell. Je suis très heureux de vous présenter un aperçu de notre jeu Tribes of Midgard, prévu pour cette année sur Steam et PlayStation 5. Tribes of Midgard est un jeu de survie action RPG coopératif. Nous avons conçu un monde magnifique, vivant, que nous avons hâte de vous faire découvrir. Gardez la pousse d'Yggdrasil en vie et la clé de votre survie. Chaque nuit, des Hellthings envahissent votre village dans le but de détruire la poule. À mesure que Ragnarok, la fin du monde, approche, ces attaques deviendront de plus en plus redoutables. Mesurez-vous à Ragnarok seul ou formez une tribu jusqu'à 10 joueurs pour affronter ensemble la fin du monde. Collectez des ressources lors de vos explorations afin de fabriquer armes, armures, potions et défenses pour votre village. Vous pouvez même accéder à de nouvelles zones de la carte en construisant des rampes et des ponts. Vous pouvez aussi les déconstruire en un clin d'œil. Comme chaque monde est généré de manière procédurale, vous trouverez toujours quelque chose à faire de nouveau. Midgard, ce n'est pas tout repos. Tenez-vous toujours prêt à combattre. Vous montez en niveau à mesure que vous gagnez de l'expérience.
ce qui vous permet de débloquer de nouvelles compétences pour affronter des ennemis encore plus coriaces. Vos ennemis laissent tomber des âmes que vous utilisez pour nourrir la pousse d'Hydrasil. Et ouais, l'arbre se nourrit d'âmes. Mais de tous les défis que vous aurez à relever, nous avons gardé le meilleur et le plus grand pour la fin. Vous ne savez jamais quand un géant compte attaquer votre village. Vous ne ferez pas le poids si vous n'êtes pas préparé. Mais si vous avez bien géré votre temps, accumulé du matériel et construit vos défenses, vous avez une chance. Bien que appeler quelques amis en renfort ne ferait pas mal. Quand les géants tombent, ils laissent derrière eux tout un tas de butins rares, y compris les ingrédients nécessaires pour fabriquer les plus puissants items du jeu. Mais ça, c'était juste le premier géant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié votre visite à Midgard. Nous aurons plus à vous montrer au courant de l'année. Merci de m'avoir écouté et bon choix à tous. Suivez les aventures de Nyx et Sergei dans Out There, Oceans of Time, un jeu de survie dans l'espace où il faudra gérer votre vaisseau, ses ressources et son équipage. Naviguez à travers la galaxie, explorez des planètes mystérieuses et accomplissez votre plus grande mission. Récupérez les composants nécessaires pour continuer votre exploration, du carburant, des minéraux, voire même de l'oméga. Gérez le cargo de votre vaisseau avec ingéniosité, car chaque vaisseau en a un différent. Faites en sorte de subvenir aux besoins de votre équipage pour éviter toute rébellion en améliorant votre vaisseau avec de nouveaux modules et de nouvelles technologies. C'est ici que vous stockez vos ressources. Elles vous seront utiles pour réparer votre coque ou commercer avec les civilisations aliens. L'aventure vous emmènera dans les confins de l'espace, sur des planètes étranges où vous pourrez partir en expédition. Scannez les planètes et révélez des mystères cachés avant d'atterrir. Préparez votre équipage, choisissez leurs équipements et partez à l'aventure. Vous aurez le choix parmi une multitude de races aliens, mais équilibrez bien votre groupe, car de nombreux dangers vous attendent dehors. Adoptez la bonne stratégie d'exploration, prenez la météo en compte, évitez les dangers sur la carte, utilisez vos capacités et votre équipement au bon moment. Sur votre chemin, vous trouverez des points d'intérêt spécifiques qui vous obligeront à faire des choix parfois cornéliens. Dans Out There, Oceans of Time, chaque décision a des conséquences. Nyx et Sergei vont se retrouver dans un conflit qui menace l'univers tout entier. Découvrez une histoire épique et pleine de rebondissements avec 5 fins possibles. Rencontrez des personnages uniques et apprenez-en plus sur les origines de ce conflit. Vivez l'expérience d'un capitaine et de son lieutenant qui tentent de réparer leurs erreurs. Out There, Oceans of Time est prévu pour 2021. En attendant la sortie du jeu, vous pouvez suivre les avancées du jeu sur les réseaux sociaux. Hey buddy, are you fed up by all these buttons? Well, I've got the perfect game for you. Let me show you. Yeah! Rolling Hamster! A whole new way to play. It's called One Button Action. So relax and enjoy it, but be careful. It's not as easy as it looks. You have to stay on track. Invite your friends to play. One keyboard fits 4 people. Keep on rolling. Push.
chop and crash until you come out on top. How fun is that? Soyez le plus rapide et le plus agressif sur la piste dans Rolling Hamster, un jeu de course délirant en compagnie de hamster. Et c'est disponible dès maintenant, à la fin du direct. Chez Amplitude Studio, nous développons actuellement Humankind, un jeu de stratégie historique où vous pourrez réécrire l'histoire de l'humanité en associant plus de 60 cultures et créer une civilisation à votre image. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la culture française et comment nous avons conçu son gameplay à partir des éléments historiques de l'époque. Dans Humankind, le joueur devra choisir entre 10 cultures différentes à chaque changement d'ère. Il lui sera ainsi possible de choisir la culture française à l'ère industrielle. Celle-ci est le reflet d'une époque où héritage révolutionnaire et industrialisation massive sont porteurs d'un dynamisme scientifique sans précédent, lui-même motivé par une course effrénée vers le progrès. Les scientifiques français étaient d'ailleurs parmi les plus réputés de leur époque, avec des grands noms tels que Pierre et Marie Curie, Louis Pasteur, ou encore Jean-François de Champollion, pour ne citer que. Étant donné l'importance de la science à cette époque, nous avons décidé de donner aux Français une affinité scientifique, qui leur permet de concentrer toute la puissance industrielle et financière d'une ville pour favoriser la recherche. L'impact qu'eurent les idées des Lumières sur la société française est montré au travers de leur trait héréditaire, appelé philosophie des Lumières, que vous conserverez tout au long de votre partie et qui améliorera fortement votre production scientifique. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la France hébergea pas moins de 5 expositions universelles, un bon moyen de mettre en scène la puissance du pays aux yeux du monde, mais surtout de valoriser l'innovation scientifique, industrielle et artistique. Comme bâtiment unique, les Français héritent du Palais des Expositions, qui a été notamment inspiré du Petit Palais, l'une des nombreuses structures construites à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, et qui était depuis transformée en musée. Pour représenter le rayonnement de la culture française à l'international, le Palais des Expositions génère de l'influence, que vous pourrez utiliser pour déverrouiller des merveilles culturelles, comme la Tour Eiffel, et inciter la population de vos voisins à adopter progressivement vos us et coutumes. Finalement, qui dit campagne militaire française du 19e siècle, dit forcément guerre napoléonienne. Les cuirassiers étaient des régiments de cavalerie lourde qui s'illustrèrent à de maintes reprises par leurs charges terribles, notamment à la bataille d'Austerlitz ou de Marengo. Toutes les unités de cavalerie lourde dans Humankind gagnent un bonus lorsqu'elles chargent leur ennemi. Mais seuls les Français peuvent recruter les cuirassiers, qui gagnent plus du double du bonus. Aucune autre unité de cavalerie dans le jeu ne peut égaler l'impact dévastateur des cuirassiers, et très peu d'unités de l'ère industrielle peuvent résister à leur charge. Dans Humankind, des millions de combinaisons de cultures sont possibles, et chacune d'entre elles possède un gameplay unique, une histoire riche comme celle dont nous venons de parler. Nous avons hâte de voir jusqu'où vous mènerez l'humanité. Choisirez-vous la France pour développer votre propre civilisation ? Humankind arrivera le 22 avril prochain sur PC et Stadia. Thank you.
L'AG French Direct, c'est presque fini. Et avant de dévoiler un dernier jeu, on tient à vous remercier pour ce deuxième numéro qui, on espère, vous aura plu. On vous donne rendez-vous dès la fin de l'année pour découvrir une nouvelle édition de l'AG French Direct. Alors on vous dit à bientôt et on vous laisse sur cette dernière surprise.